Bonjour, aujourd'hui je vous fais les 5 points positifs que la Nintendo 64 a amené sur le marché et qu'est-ce qu'elle avait comme aspect qui se démarquait des autres consoles à l'époque. Donc évidemment, l'année passée, j'ai fait une vidéo où je vous relatais 5 points négatifs de la console. La Nintendo 64, il y a plein de monde qui adore cette console-là et personnellement, je suis un gros fan de PlayStation 1, j'aime beaucoup la Super Nintendo et j'ai trouvé que la Nintendo 64, elle était peut-être pas aussi le fun que ça, moi personnellement, mais je dois quand même admettre que il y a quand même des points très très cool que cette console-là a amené et je fais ces 5 points-là avec vous. Donc le premier point que j'adore sur cette console-là, évidemment, c'est de pouvoir plugger 4 manettes de façon native, donc ça veut dire pas d'accessoires supplémentaires, sur la console. Donc que naturellement vous puissiez rapidement plugger 4 manettes et que ça fonctionne, ça fait en sorte que non seulement Nintendo faisait plus d'argent à vendre des manettes, mais aussi les développeurs de jeux vidéo avaient tout avantage de profiter de cet aspect unique que la Nintendo 64 amenait, de pouvoir justement jouer à 4 joueurs. Donc dans le passé, oui, c'était possible, mais à cause de l'accessoire, ça faisait en sorte qu'il y avait peu de jeux qui passaient du temps et de l'argent, évidemment, à développer un mode 4 joueurs. Donc ça faisait en sorte que c'était souvent abandonné et ça n'était pas poussé plus loin. Mais évidemment, ici, c'était une façon de pouvoir vendre son jeu sur la console et de se démarquer aussi des autres consoles. Donc nécessairement, les programmeurs passaient du temps à développer des solides multijoueurs 4 split-screen qui fonctionnaient habituellement très très bien. Ça donnait naissance à des excellents jeux en multijoueur, évidemment. Et c'est pour ça, je pense, en gros, qu'on parle encore de la Nintendo 64 aujourd'hui. Le fait qu'on puisse jouer aisément et de plugger 4 manettes dans la console était probablement une des meilleures idées de Nintendo pour cette console-là. Ensuite, deuxième aspect, évidemment, c'est une console 64 bits, donc contrairement à la PlayStation et la Sega Saturn, avait un certain avantage d'être un petit peu plus rapide. C'est peut-être pas juste à cause des bits, évidemment, mais à l'époque, c'est ce qu'on disait. Donc, le 64 permettait, même en 4 joueurs, parce qu'évidemment, c'est le fun de pouvoir plugger ses 4 manettes, mais si on joue à 4 et qu'il y a des ralentissements puis que ça joue pas super bien, bien évidemment, c'est pas aussi plaisant. Mais la Nintendo 64 était assez performante pour réussir à faire rouler 4 écrans en même temps de façon distinguée et d'être capable de donner un bon rendu. Ce qui a donné des multijoueurs super intéressants. Évidemment, vous pouvez jouer à Mario Kart et ça roule très bien en multijoueur, 4 joueurs, split screen, et c'est pas évident à faire rouler. Évidemment qu'il y a des petits ralentissements, James Bond, là, tu mets une coupe de mine puis ça ralentit pas mal, mais on est capable de quand même avoir un jeu jouable en 4 écrans séparés. Et ça, c'était difficile de faire ça à l'époque, c'est dur de faire 4 écrans. Encore aujourd'hui, les consoles ont difficulté à faire ça, c'est pas pour rien que des jeux de course multijoueur 4, ça n'existe pas. C'est parce que les consoles auraient la difficulté à le faire, mais à l'époque, la Nintendo 64 réussit à très bien sortir l'épingle du jeu grâce à ça. Une console qui était rapide, ça donnait aussi naissance à des jeux qui étaient souvent meilleurs que ces autres consoles. On a en pensant à NHL Wayne Gretzky Hockey, qui était très très rapide sur la 64 et qui se joue vraiment mieux selon moi sur cette console-là. Mais aussi des jeux comme F-Zero qui étaient définitivement meilleur calibre que Wipeout, entre autres au PlayStation, justement parce qu'il y avait beaucoup de voitures en même temps sur la piste de course et ça roulait avec une très bonne vitesse. Donc honnêtement, la 64 a vraiment une belle vitesse de jeu qui était capable d'être fait en même jusqu'à 4 joueurs, ce qui évidemment est un avantage énorme sur les autres consoles à l'époque. Ensuite, troisième point fort, c'est le Golden Era des 3D platformers. Donc, évidemment que c'est un style de jeu qui n'existe pas beaucoup. Puis oui, PlayStation avait Spyro puis Crash, mais on est des années-lumière, je pense, de la qualité qu'on avait sur la Nintendo 64. Donc, évidemment, Mario 64 était incroyable. On a vu Banjo, qui était aussi une excellente série. Conker aussi, qui fait pas sa place. Donkey Kong, que j'aime pas beaucoup, mais quand même, qui était intéressant à jouer. Donc, évidemment que tout ce qui est 3D platformer est juste incroyable sur la Nintendo 64. Donc, des espèces de mondes ouverts, souvent des grands tableaux. Il y avait beaucoup de choses à explorer. On avait hâte d'aller voir tous les raccoins de chacun des tableaux que Super Mario 64 nous offrait, parce que justement le fait que c'était en 3D, c'était ouvert, ça nous permettait d'explorer partout. Et cette ouverture-là dans les jeux vidéo, cette exploration-là, le fait qu'on soit encouragé à se demander qu'est-ce qu'il y a en arrière de cet arbre-là ou de l'autre bord de la montagne, c'était vraiment vraiment axé pour la Nintendo 64 et les jeux en profitaient pleinement, contrairement mettons aux rivales encore une fois de l'époque. Donc honnêtement, Le 3D platformer, réussir à transformer des franchises, les mettre en 3D, puis de réussir à aller chercher un gameplay unique et vraiment profiter pleinement de ce que le 3D pouvait apporter à l'époque, la Nintendo 64 a définitivement réussi à bien faire ça, au point qu'ils ont délaissé complètement ou pratiquement tout ce qui était 2D, mais évidemment, ça fait en sorte que le 3D était exceptionnel à l'époque cette console-là, et qui fait en sorte qu'il était tellement bon qu'encore aujourd'hui, c'est agréable de pouvoir aller revisiter ces titres-là, ce qui est assez surprenant étant donné justement le désuet graphique qu'on a dans les yeux. D'être capable de quand même profiter du gameplay, c'est assez solide. Donc, ça, c'est un autre point fort. Ensuite,
je peux pas parler de Zelda, même si Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask ne sont pas mes préférés Zelda. La première fois que t'as le feeling d'arriver dans le Field Hyrule et de justement pouvoir dire « Ok, je peux aller où ce que je veux, je peux me promener où ça me tente, je peux explorer toute la carte qui est en avant de moi. » Un open world à la Zelda 3D était incroyable à voir, et c'était aussi une sale tâche de pouvoir réussir à le faire, parce qu'évidemment on a ce feeling-là en 2D quand tu joues au premier Zelda et celui au Super Nintendo, où justement tout est ouvert puis tu peux te promener un peu n'importe où, c'est vraiment le fun, mais c'était difficile de pouvoir le réussir à le faire en 3D. Beaucoup de jeux n'ont pas été capables de le faire en 3D, mais Zelda Ocarina of Time principalement ont réussi à complètement révolutionner, si vous voulez, le mode de jeu aventure 3D, avec justement une carte ouverte, avec plein de choses à explorer, encore une fois, qui revient un peu à ce qu'on a réussi à faire les 2D platformers. Donc on a vraiment optimisé ce que la console était capable de faire pour créer un des meilleurs Zelda de tous les temps. Donc honnêtement, bravo Zelda, c'est juste fourrette sur cette console-là, puis encore aujourd'hui, ça mérite d'être joué. Même si je vous désirais peut-être d'aller chercher la version 3DS qui coûte beaucoup moins cher, ce serait la raison principale, c'est un petit peu plus beau aussi, mais ça roule très bien sur la Nintendo 64 aussi, sauf pour le Temple de l'eau, mais coudonc. Dernier, Smash. Comment je peux pas parler de la Nintendo 64 sans vous parler de Smash? Tout le long, j'avais le goût de vous parler de Smash, puis je finis avec Smash. Smash est un de mes jeux préférés, le multiverse du jeu vidéo avant les années 2000. Imaginez à quel point c'était incroyable. La première fois où j'ai vu Pikachu 3D faire un Thunderbolt sur Link, j'ai fait comme, bon, ben, j'ai fait un mauvais choix dans ma vie en achetant un PlayStation. Sur le coup, c'est ça que j'ai pensé, parce que je trouvais juste ça trop incroyable. Je pensais pas que ça pouvait être vrai, et c'était totalement vrai. Donc, Smash était un jeu qui n'était même pas supposé de sortir sur la Nintendo 64. Ça a tout pris pour que finalement on mette des personnages de Nintendo, qu'on mélange tous ces univers-là pour créer ce masterpiece, ce chef-d'œuvre incroyable que Super Smash. Oui, effectivement, comparativement aux autres Smash qui sont sortis, il est plus lent, il n'est pas optimal, c'est pas le meilleur Smash aujourd'hui. Mais on n'aurait pas le Smash Ultimate qu'on connaît aujourd'hui, on n'aurait pas Smash Melee, évidemment, si on n'avait pas connu ce Smash-là. Et justement, cette créativité-là assez incroyable d'être capable de dire « Ok, on va essayer de faire ça pour vrai et de le sortir ». Je ne rentrerai pas dans toute l'histoire en arrière du premier Smash, parce qu'elle est quand même assez complexe, mais honnêtement, ça n'a vraiment pas passé proche de sortir. Il y a vraiment plein de choses qui auraient pu mettre des bâtons dans les roues, puis que ce jeu-là ne voyait pas le jour, et ils l'ont sorti, puis une chance, parce que selon moi, c'est un des meilleurs jeux pour la console. Donc oui, on peut peut-être reprocher à la Nintendo 64 de ne pas avoir de Metroid ou d'excellents RPG, mais ils ont probablement un des meilleurs jeux de combat de tous les temps. C'est Smash, parce que n'importe qui peut jouer à ça pour réussir à s'en sortir. Les meilleurs vont devoir performer à des niveaux qui sont inimaginables. Les jeux de combat, c'est difficile à apprendre et à jouer facilement. Smash, et n'importe qui pouvait réussir à s'en sortir un peu au début, puis à faire quand même des belles attaques, que ça soit cool. Donc honnêtement, ça, le pick-up facile de ce jeu-là et la difficulté à réussir à le master complètement est juste parfait. Le calibre est incroyable, ça a donné une des meilleures séries de jeux vidéo de tous les temps. Donc j'adore Smash sur la Nintendo 64, et c'est parce qu'elle était sur la 64 et qu'il y avait 4 manettes que ce jeu-là a été développé de cette manière-là, et qui rend cette console-là encore une fois agréable de pouvoir en parler aujourd'hui. Donc évidemment, c'est moi personnellement mes 5 points forts pour la console. Si vous avez d'autres points forts, mettez ça juste en dessous du vidéo, ça me fera plaisir d'y répondre et de regarder vos arguments par rapport à ça. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus à les faire en bas, ou à aller dans Discord pour pouvoir faire des suggestions de vidéos. Ça me fera plaisir de faire une vidéo sur le sujet que vous voulez. Donc sur ce, merci beaucoup, abonnez-vous à la chaîne et on se redonne des nouvelles dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup, à la prochaine.